titre vérité aux autorités de la transition à Conakry. En séjour dans la capitale guinéenne en compagnie d'une délégation de la CEDEAO, le diplomate tunisien a félicité les autorités de la transition pour tout ce qui a été fait, notamment la mise en place du CNT. Au niveau des Nations Unies, nous avons fait comprendre aux membres du CNT leur rôle historique dans cette transition. Il assure que nous avons réitéré que par expérience, une transition n'est pas faite pour résoudre tous les problèmes d'un pays mais elle pose les jalons qui peuvent consolider les acquis et se projeter dans l'avenir. Dans cette phase, souligne-t-il, nous leur avons dit que les Nations Unies et l'Union africaine sont à leur côté pour les aider afin qu'ils puissent parachever la feuille de route, le chronogramme, pour qu'on puisse au moins cette fois-ci aller vers des élections. Marama Saleh Anadif espère que la transition favorisera un processus électoral dans une ambiance apaisée et une réconciliation des sœurs et des esprits de nos frères et sœurs guinéens.